Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Oh bah tiens, qu'est-ce que je fais là? Mais non, c'est pas Venise. Ah oui, voilà. C'est bon, je me suis retrouvé. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilisation 5 dans lequel nous jouons Venise. Effectivement, je me disais, ce n'est pas Venise, ça. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Venise est un peu plus ici, c'est mieux. Un petit peu plus mieux, comme qu'on dit chez nous. Pas du tout. Oui, voilà, ça me revient. Donc j'étais en train d'explorer ces terres, ces deux îles. Toi, tu m'énerves, hein. Pour bah, tout simplement aller chercher les ruines antiques. Et bah, là, il y a un campement barbare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raser le campement barbare. Je vais rendre l'ouvrier sûrement à Milan ou peut-être Sydney, et on verra ce que ça donne. Sinon, annule le lac. Oh, regardez-moi ça. Des archers sur char. Et en vrai, les archers sur char, c'est fort. Ça tape dur. Je ne sais pas où l'envoyer, par contre. Je l'enverrai bien ici, mais ici, c'est toujours une terre très dangereuse, très inhospitalière. Ah! 25 tours. La vache. Voilà. Barbare éliminée près de Milan, ça me donne un peu de. Mince, comment ça s'appelle ça? D'influence. Voilà. 12 d'influence, toujours ça de prix. Là, je vois en plus que l'abruti barbare, il lui reste pas grand-chose en vie. Y a plus qu'à aller les chercher tranquillement. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont l'autre Faithful aussi, ça c'est pratique. Riga est attaqué. Alors, on va faire ça un par un déjà. Voilà. Ça m'a redonné plus 12. Une nouvelle ruine antique. Ok, près de Hong Kong. Un campement barbare. J'ai vu un campement barbare, c'est celui-là. Et Riga est attaqué. Il me demande d'éliminer un campement barbare. Il y a des barbares qui les envahissent, mais. Ils sont où les barbares? À moins que le campement il soit là. Ouais, mais là toutes mes troupes sont. Ouais, je vais envoyer lui. Je vais l'envoyer lui. Ah, c'est vrai qu'il y a le Kilimanjaro en plus. Je vais l'envoyer ici. Bon, 16 tours. Heureusement, je peux traverser. On a le droit de passage avec la Chine. Ils ont vraiment fondé. Désolé pour mon accent chinois, je sais même pas si je le prononce bien, honnêtement. Tianjin, Tianjin. Bismarck. Nous avons dénoncé les mêmes dirigeants. Ah bah Bismarck, il s'entend pas trop avec Genghis Khan. Genghis Khan a déclaré la guerre à Isabelle. Eh bien. Genghis Khan, il en a chaud sur la patate. Hein. Il est pas content. Il est pas content du tout. Ah. Allez, direction Erevan, ça fait un peu plus d'or. Et là, je vais acheter un navire marchand que j'enverrai vers une ville chinoise. On va rendre l'unité à Milan. Ils vont être ultra contents. Là, Milan, ils sont. On est alliés, mais super bien. Ils vont me donner pas mal de cultures. J'ai 40 cultures par tour. Oh la vache. Ah, c'est fort. Et les archers composites, je vais pouvoir les envoyer là. Vous avez découvert quelques survivants égarés. C'est très bien ça.
des trucs comme en barbare, des trucs comme en barbare. J'ai perdu l'influence sur Ormus. Perdu l'influence sur Erevan, ouais. C'est normal. D'ailleurs, j'ai combien? 60. Ah oui. Oh, mais on va accepter l'ambassade. Vous construisiez Petra. Ah oh, oui, rien que ça. C'est vrai que je pourrais le faire. J'ai des cases de désert. Alors normalement, c'est la ville dans le désert? Non. C'est une case de désert, on est d'accord. Mais bon, j'ai l'oracle en attendant. Je vais l'envoyer à Venise. Hop. Je vais envoyer de la bouffe à Venise ou de la prod, je sais pas. Ouais, d'accord, c'est celui-là qui a. Ok. Je vais les mettre en exploration auto. Ouh. Mais dis donc, c'est. Ah, mais ils se rendent tous là, c'est. Pourquoi? Quoique, lui, c'était peut-être pour la ruine, et maintenant qu'il y a la ruine, il va peut-être pas y aller, j'espère. J'espère vraiment. Parce que. Sinon, ça va encore être la galère. Bon, au moins, l'oracle de Delphes, a déclaré que tous les Grecs. Que de tous les Grecs, j'étais le plus sage, c'est sans nul doute parce que de tous les Grecs, je suis le seul à savoir que je ne sais rien. Ah oui. C'était Biblos. Ah bah si, si, il a débarqué le couillon. Reviens là. Adopter une doctrine. L'influence sur les cités-états baisse. Ouais, et ensuite on partira sur consulat, pardon. Ce qui fait que toutes les cités-états qui auront notre religion seront moins amis avec nous. Pas alliés, mais amis. Je pourrais faire l'université publique, la compagnie. Oh, j'ai 5 tours avant la théologie. Notre empire possède 2 villes, plus les routes commerciales construites par les autres joueurs pour relier la ville concernant. Il a 4 heures supprimées. Ah ouais. Ah ouais, je vais me mettre bien avec ça. L'Angleterre, ils sont où l'Angleterre? Je sais plus. Oh, ils sont loin, ça va. Le protestantisme, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Lui, c'est mauvais hein, de faire ça. Ça, c'est bon pour moi hein, avec sa cabala. Calories. Oh, double biface, oh, c'est terrible ça. Je vais faire vers Venise parce qu'en plus j'ai toujours pas la religion là. Il faudrait au moins que j'arrive à propager ma religion. Un campement barbare. Je perds un peu de bonheur, je perds un peu de tout. C'est pas très grave. Venise est grande déjà, 16 habitants. Tu m'étonnes, je suis premier, mais. Ça, c'est le poisson, ça. Le poisson, l'atoll, les perles aussi, là, au niveau nourriture, je suis pas mal. Hein. Ils sont même permis ici de retirer tous les champs pour faire des comptoirs commerciaux, ça me va. Oh, là, terrible. Oh! Allez, direction la forêt, les mecs.
Oui, j'étais en train de faire, je crois, la technologie pour faire les galéas. Et les galéas pourront m'apporter un soutien. C'est ça, hein? 3 tours et 15 tours. 18 tours, j'ai ce qu'il faut. Plus d'investisseurs, ok. Le cap se convertit à l'hindouisme, ça me va. Ah, la trirème, elle a pris quelques dégâts. C'est pas bien grave. C'est vraiment un barbare de fou. Hein. Hop, allez, continue d'explorer. Là, je retranche, là, je retranche. Ouais, j'ai peur pour eux quand même. J'ai peur qu'ils se prennent une charge. Là, on va attendre ça. Lui, il va aller où? Bah, forcément, il va aller là. C'est vrai que là, ça va grandir. Ça va prendre un petit peu, peut-être, les terres là. Ok, là, je vais attaquer sa cavalerie avant qu'il arrive. Si je me charge mes archers toute seule, enfin juste avec la cavalerie, ça devrait aller. Parce qu'elle va se défendre, ma cavalerie va tirer avant de. De se faire attaquer. Voilà. Oui, travaillons ensemble, c'est bien ça. Alors on est. Il m'énerve. On est copains avec l'Éthiopie, l'Allemagne, on s'en fout, et l'Inde. On a fait une petite déclaration d'amitié avec l'Éthiopie et l'Inde. Bismarck nous aime parce qu'on a une ambassade et surtout on a dénoncé Genghis Khan. Je crois pas que Gandhi et l'Éthiopie, ils aient découvert Genghis Khan, à mon avis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop de problèmes avec lui. Ok, là on va le laisser. Hein. Un peu trop profond pour moi tout ça, je saurais dire s'il a raison ou pas. Ok, pas trop mal, moins 34. Bon, on n'a plus de route commerciale, ça c'est dommage. Avec les chapitres. On va essayer de rouvrir ça. C'est bien, ça fait qu'on est bien copains au moins. Et eux et moi. Attends, il a dénoncé le. Non, non, pas du tout, c'est juste l'amitié, la déclaration d'amitié. Carte rudimentaire des environs, c'est super, je connaissais déjà tous les environs. Je suis même pas sûr, en vrai, hein, je suis même pas sûr que j'ai gagné une carte de vision, quoi. Une case, je veux dire, en vision. Tous les tours, il prend des thunes, mais si t'es éteint. C'est fou par contre. Mes archers composites, je vais les faire venir là-bas une fois qu'ils auront fini. Voilà. Pff, quel bazar. Un 12. Là, il y a une charge, mais ces chevaux vont prendre beaucoup plus cher vu que je suis en mode défense. Une double charge, mais ces chevaux, pareil, vont prendre beaucoup plus cher parce que je suis en mode défense. Ouais, quand même, j'ai pris. Mais là, normalement, sa cavalerie pourra plus faire grand-chose. Hop. Terrain accidenté, ça me fait combien? Ça me fait 39. Je serai à 49 points de vie pour me défendre. On va croiser les doigts. Ah, ils veulent du vin, ça, hein, tranquille.
Bah, j'en ai pas encore. Boussole, or généré par les bateaux de pêche, plus 1. Oh ouais, ça me met bien ça. Des routes commerciales supplémentaires, donc 2, vu que je vis à Venise. La portée, oh ouais, augmente la portée. Je pourrais tout faire partir de Venise. Ouais, tu me diras, Biblos, j'aurais bien besoin de la... De continuer la route. Là, ça va, ça se fait tout seul parce que c'est assez près. Plus 10, moins 12. Lui, il va prendre cher, moi aussi, mais... Ça le finit pas? Ah ouais! Bon. Retranche-toi un moment, mon ami. On va faire consulat. Et ouais, retranche-toi un petit moment quand même, parce que là, t'as pris cher. Tu es tout seul et tu as perdu 4 bras et 9 jambes. C'est compliqué. C'est fou, là. Là, on a vu, il y avait encore au moins un archer de biface. Alors, peut-être plus de cavalerie, c'est peut-être le bon truc. Ouais, bon. Là, ils sont vraiment sur cette île, c'est full barbare. Hein. Ah non, je crois... Quoi? J'ai pas tout exploré. Ah, c'est parce que t'as lui qui bloque. Allez, on retranche, les gars. Oh, maçonnerie. Ça, c'est cool. Techno gratuite, ça, c'est vraiment super bien. Et lui, je vais le renvoyer là. Je vais lui dire, va ici. Et une fois qu'il sera ici, je l'enverrai manuellement par là. Parce que sinon, je vais l'oublier. Je vais vraiment l'oublier. C'est ouf. Avec un peu de chance. Oh, il y a le colosse. Ah, c'est dommage. Le colosse, c'est fort. Ça rajoute des revenus, des routes commerciales. C'est vrai que je l'ai pas fait. C'est quel techno, ça? Oui, c'est bon. C'est là. Ah ouais, bah non, j'avais pas du tout la techno. C'est pas grave, allez, on continue l'exploration. Trois missionnaires. Un prophète illustre. Trois missionnaires, j'ai déjà... J'ai déjà ma religion développée. Oui, elle est développée d'ailleurs. Bah, attends, allez. Mosquée? Voilà. Pourquoi s'embêter? J'aurais même de quoi m'acheter une galéas. Si je continue à avoir pas mal de revenus. Galéas vénitienne, s'il vous plaît. Par contre, on a que trois villes. C'est pas terrible, terrible. Aïe, les bifaces. Ça, c'est pas cool, les bifaces. Ça attaque à distance. Ouais. Et c'est fort au corps à corps. Bon. Peuple le plus bédonnant au monde. Ah ouais. Classe les joueurs en fonction de la quantité de nourriture excédentaire en moyenne dans leur ville. Voilà, je... Ils sont... Ouais. Bien bédonnants comme il faut. Deux fois plus que le deuxième. C'est-à-dire qu'en récolte, je suis... Ah ouais. Je suis pas mal. Par contre, le Japon est le pire partout presque. Bon, sauf en approbation en soldat. Que là, si les bifaces ils attaquent mes guerriers, bon bah mes guerriers au bout d'un moment ils vont.
Ils vont bien monter de niveau, je pense. Borobudur. Oh non. Terrible ça. On n'oublie pas que. Ah non, non, c'est Elisabeth. Ah. On va essayer de faire. Sainte-Sophie à la place. Hein. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. Vous voyez, mais ils se défendent pas. Ah, oh, des lanciers. Oui. Non, merci. Hein. Ah, les lanciers, ils vont me faire mal au corps à corps, par contre. Hein. J'aurais réussi à venir à bout de pas mal d'unités, mais là. Il y en a trop. Et surtout, c'est mes archers qui sont en première ligne. Ça, c'est terrible. Je pense que deux attaques de lancer, j'ai plus d'archers, hein, honnêtement. Une unité de Mbonza Kongo. Ah! Ah, à moins que. Ouais, sinon, deux attaques de lancer, ça devrait. Et là, ça suffit. Quoique 34. Ah, je vais mettre un coup de doc. Ça. C'est risqué, mais bon. Bon, ok, j'ai un autre. J'ai d'autres. Une autre unité d'archer sur charge, je vais l'emmener là. 14 tours. Ah ouais, la Biblos. Ah, dommage. C'est beaucoup trop. C'est un peu beaucoup trop là, non? Quand même. Enfin. 400? C'est vrai que je pourrais faire des lanciers, acheter des unités aussi. Bon, j'ai des temples, j'ai des jardins à faire. Aïe. Moins 29. Si je me mets en retranché, ça devrait, il devrait rester en vie. Là, je suis obligé de faire ça. Oh. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est quand vous voulez, les mecs. D'accord. Ok, bon. Et là, je vais me barrer. Hein. Je vais me barrer. Je vais dire à toi d'aller là. Et je vais dire à lui d'aller là. Ah. Là, j'ai pas le choix. Il me faut un lancier. Ça m'arrange pas, mais c'est comme ça. Voilà à quoi servent les finances de Venise. J'ai pas envie d'attendre. Oh, c'est pas vrai, Elisabeth. Non, mais elle a fait deux trucs là. Sainte-Sophie Borobudur. Ouais, ça va ouais, un peu là. Faut en laisser aux autres. Hein. Terrible ça. Devait avoir des. Des ingénieurs illustres, ce que je n'ai pas hélas. Ouais, bon bah lui il est foutu. Même s'il va se défendre honorablement. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester en vie. Donc, ta direction Venise. Allez, je vais faire ça. Toute façon, ah, c'est des bifaces encore. Toute façon, je crois que j'ai trois unités qui arrivent là-bas. Bon, j'en ai une. Ouais, je suis bien d'accord. Ils sont mes archers composites que j'ai envoyés. Ah ouais, ils sont là-bas.
Ils ont obligé de faire tout le tour, quoi. J'en ai là qui ont découvert des terres encore pas exploitées. Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore la portée à cause de la technologie que je n'ai pas encore eu. Pourquoi tu t'arrêtes, toi? Ah oui. Il se faisait attaquer par des barbares. Bon, et là, c'est du passé. Je suis arrivé ici pour rien. Lui, je vais lui demander de débarquer à l'opposé. Quoique, non. Allez, viens là aussi, toi. Là, j'ai un campement à aller chercher ici aussi. Hop, allez. Voilà, bien joué les gars. Continuez comme ça. C'est vrai que j'ai oublié que là c'était une île un peu plus grande. Et là, que les campements barbares pouvaient apparaître. Un peu comme là. Hein. Mais bon. Dès que j'aurai ça. Ça se passera mieux. Hop, prochaine attaque normalement. Il devrait pas y avoir de survivants chez eux. Pour l'instant, oui. Et je dis bien pour l'instant. Son unité, hop, cette unité de choc. Parfait, bien joué les gars. On a rasé un campement, ça nous fait culture, or, etc. Guilde des artistes, voilà, on va faire toutes les guildes, au moins ce sera fait. C'est vrai que par contre ils se traînent la voile, j'ai envie de dire. Mais bon. Je prends très mal. Ok. Prophète illustre, ça m'intéresse pas. La boussole, ça y est, combien ça coûte ça? 590, c'est raisonnable. C'est pas mal de tours d'économie, mais ça passe. Je vais les envoyer ici. C'est bien, c'est qu'ils vont pouvoir se déplacer vite, enfin, par rapport aux autres unités. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enchaîner sur. Je vais faire la physique. Ah. Ouais, la navigation, ça va être très utile, mais si je fais pas la physique, là, ça me tire au revoir à tout ce qui est Notre-Dame, etc. Ouais, je vais partir sur l'imprimerie. Je vais essayer de commercer au maximum avec des d'autres civilisations pour apporter un maximum de science. Libre passage, ça me va. De toute façon, avec les îles que j'ai, je risque pas grand-chose. J'ai une unité qui est par là. On les régénère toi tranquillement, mon ami.
toi aussi. Manny qui gagne plus en habitants parce qu'il n'y a pas de bouffe. Ouais, tu me diras. Ça favorise l'or, tu m'étonnes. D'où ce qui sort lui? Oui, d'accord, donc il a bugué. Oh, c'est très bien. On va aller sur Pékin, ça va me donner pas mal de science, beaucoup d'or aussi. Comment ça coûte? Ah oui, non. Ça coûte encore un peu cher. Oh ouais, regardez-moi la portée de déplacement. Hop, et leur joli canon. Qui reste souhaite établir une zone autre commerciale. Ouais, je comprends. Bon. Ça, au moins, c'est fait. Alors, j'ai une ruine antique, je sais pas trop ce qu'elle m'a fait. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Là, ça avance. Tranquillement, mais sûrement. Là, c'est quoi le bonus vénitien? C'est le grand phare, c'est quoi? Est-ce que j'ai la portée? J'ai pas encore la portée. Je vais attendre le tour prochain pour éviter de me faire canarder au cas où. La Venise est vraiment grande, hein? Oh la vache. Ouais, libre passage, je suis bien d'accord. Soyons amis. Il y a deux unités barbares, c'est beaucoup là quand même. Voilà, on va pouvoir essayer nos. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça dégonne 0. Hein. Hein. Est-ce que je lui ai mis? Il va falloir que j'économise encore pour une petite trirème. Ça, c'est pas mal. Allez, plus de science. Route commerciale, putain, c'est vrai que je pourrais en faire plein des routes commerciales. Là, j'ai pas assez d'argent, c'est bête à dire, hein, pourtant j'en ai 41 par tour, c'est énorme. Hein. Mais j'ai pas assez d'argent pour faire ce que je veux. En fait, là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Est-ce que... Tiens, bah, hop. Tu m'as fait tête là, toi. Est-ce que je fais plus d'argent? Ça me met un peu de retard sur le début, mais après, c'est fort. Pour... Non. En un coup? Waouh.
Alors je disais, est-ce que je fais plus d'argent là de suite, mais ça va me prendre un peu, ça va me retarder par exemple la construction de bâtiments ou d'unités. Est-ce que je recrute une unité et là je serai plus dans l'optique de recruter une unité. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, travaillons ensemble. Le truc c'est que là je vois que j'ai des barbares qui sont pas très loin et les barbares ils pourraient piller mes villes. Et ça j'aime pas. Je n'aime même pas du tout. Donc je vais sécuriser les mers avant de faire plus de routes commerciales. Alors, direction Venise. Regardez-moi ça là. Lui, c'est pas en un tour, mais presque. Oh, c'est magnifique. Les dégâts que je lui mets. Ah, les bifaces, ils sont pas contents. Ouais, ce que je vais faire là, c'est que. Non, je vais débarquer en bas et je vais suivre avec mes galères. Les dégâts! Waouh! Je suis étonné. C'est vraiment impressionnant les dégâts. Alors, vas-tu rester là, toi? Deviens marchand. Hop, par là. Ici, je peux me débarrasser de lui. Et là, je peux débarquer. Puis là, j'accompagnerai mes unités. Allez, je compte sur toi. Ah putain. Ouais, c'est ce que je vous disais, ils ont pillé ma route. Faut que je fasse une galéasse. Et que j'aille sécuriser ce passage. Et parce qu'il va me les piller une par une. Terrible. Oh, c'est terrible. Il est vraiment embêtant celui-là. Pardon, mais ils viennent d'où? Enfin, je n'ai strictement aucune idée d'où sont apparus les barbares, les archers. C'est quoi la blague? Enfin, je sais qu'ici il n'y a pas de. J'ai la doctrine honneur, donc je vois tous les camps qui apparaissent sur les territoires que j'ai déjà visités. Et. Enfin. Quoi? C'est quoi le délire? Attendez. Je comprends pas là. Là, je ne comprends vraiment pas. J'espère que c'est pas buggé. Je sais qu'il y a un bug qui sur certaines parties, ça va commencer à te faire apparaître des camps barbares en fait chez toi, sans raison. Un peu comme si t'avais un bonheur bas. Sauf que là, bah, c'est pas le cas, j'ai 6 de bonheur. Bon bah lui, il a bien fait d'essayer de m'attaquer, il va couler. Non mais doucement les meufs. Enfin, je préfère attaquer ça. Moi. Ça sera mieux en fin de partie et là je vais pouvoir avancer.
Ça, dans mes souvenirs, c'était plus fort. Je vais les faire revenir à Venise, eux, parce que ça craint un peu, hein. Attendez, mais par contre, vraiment, ils sont arrivés d'où, enfin. Je veux dire, ils sont pas arrivés de là. Ils sont pas arrivés de là. Ils sont pas arrivés de là. Bah, j'en sais rien. Bah alors là, honnêtement. Pardon? Vous avez vu, ça vient d'apparaître? C'est comme s'ils considéraient qu'il y avait un campement barbare sur cette case. Attends. Attends, là il y a un truc, mais je crois que j'ai compris. C'est terriblement n'importe quoi. Quand il me pille, là le fait qu'il m'ait pillé des routes commerciales, parce que là encore une route qui a été pillée, ça a créé une unité barbare. Pardon? C'est... Je m'en étais jamais rendu compte, mais vraiment. Donc là, je vais encore me faire piller. Putain, j'aurais dû casser la trirème, je suis bête. Je vais me faire piller une ou deux routes là. C'est ça. Ah oh bah oui! Oh bah ouais, les deux routes pillées, les galères. Hop là, bah c'est la galère. Hein. Maintenant que j'ai plus de route commerciale. Oh, c'est terrible ça. Bah, je vais essayer de. Déjà, je vais ramener cette. Cette galère. Ah bah. Je suis dans le caca. Niveau argent, je me suis fait payer 4 routes commerciales. Bon, au moins, là, je vais pouvoir raser un campement, là. Mais à quel prix? Oh la vache. Ça, c'est terrible. 4 routes commerciales qui me rapportaient bien, en plus, hein, autant de la science que de l'or. Ouais. Bon, par contre, ça c'est bien, c'est qu'ils attaquent mes propres unités. Ils attaquent mes unités et ils pourront pas gagner contre elles. Allô? Ouais, super. Carte rudimentaire des environs déjà explorée. Bon, c'est pas grave. Ah! Ça m'arrange. Si même vous pouviez. Découvrir une arme avancée, ça m'irait encore plus. Vraiment. Mais bon, l'épisode a déjà pas mal duré, c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Un épisode riche en émotions et particulièrement difficile. Vraiment. Allez, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve. On est lundi. Bah, demain, je pense, pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tchob.